Salut, c'est bien que tu sois venu. Salut, salut. Bon, Xavier, t'annonces la couleur ou quoi? Ouais, ça va être bien. Alors ça va valoir des millions, quoi. Arrête, j'ai plus de temps. Un petit tour des prénoms, si ça va. Donc moi c'est Xavier, je suis très content d'être là. Et... Thomas. Thomas, oui. Julie. Julie. Philippe. Enchanté. Daniel. Daniel. Adjaï. Adjaï. Fabienne. Alors, ouais, moi j'ai découvert la méditation, bah, surtout à travers le bouddhisme, en fait, le bouddhisme tibétain. J'ai toujours été assez attiré par les paysages sauvages et puis les paysages de montagne aussi. Quand j'étais enfant, bah, ça m'attirait beaucoup. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu magique, quelque chose d'assez mystérieux, mais qui m'attirait, mais sans que je puisse vraiment définir. Pour parler un peu plus de la méditation, moi ce que je vous propose, c'est d'être le plus possible dans l'instant présent, en fait, dans la pleine conscience. Donc ça veut dire être, je dirais, beaucoup connecté à son ressenti, à nos sens. Alors ben, il y a le sens visuel qui souvent, ben, capte beaucoup notre attention, notre conscience. On peut mettre aussi notre attention sur les sons, sur le corps. Je pense que mettre son attention sur le contact avec les pieds et le sol, c'est intéressant parce que ça ramène la conscience dans l'instant présent. Et donc pour moi, voilà, dans l'idée de méditation, il y a vraiment l'idée d'être dans le ressenti, d'être dans le pur contact avec ce qui se passe. Et puis l'idée, c'est de, je dirais, d'accueillir, ressentir et puis goûter, quoi. Là on est un petit peu encore au centre et puis on va s'éloigner. Petit à petit, bah, l'ambiance elle va changer. On va se rapprocher un peu de la forêt, d'un cadre un peu plus naturel. Et puis bah, je vous invite à ressentir en fait les ambiances. Chaque endroit il a son ambiance. Ici, bah, il y a les pigeons, il y a les arbres, il y a une certaine ambiance. Bah, 100 mètres plus loin, ça sera déjà une autre ambiance. C'est là que j'expire. Donc en fait, ça fait mouvement avec l'inspiration et puis arrêt du corps au moment de l'expiration. L'idée aussi, c'est que quand on pose le pied au sol et puis qu'on expire, c'est vraiment de mettre la conscience complètement dans le contact entre le pied et puis la terre. D'être pleinement présent dans cette sensation. Et puis vraiment de sentir la gravité, quoi, la gravité qui nous colle au sol et puis à la terre.
C'est Stone, ouais, c'est ça. Ça me, ouais. En même temps, j'étais bien présente dans mes pieds, mais ça m'envoie un peu au plafond. Mais stop. Ouais, alors, là, tout va bien. Ouais. Mais moi aussi, quoi. Surtout si je ferme les yeux, ouais, puis après je reviens, voilà. C'est vrai que je me sens un peu. Bon, à vous de vous servir. En voilà, genre, qui veut du thé vert? Je me sens d'appoint pour servir. Il y avait vous moi. J'ai envie de vous parler un peu des éléments. Donc il y a la terre, l'eau, l'air, le feu. Des fois on rajoute aussi l'espace. Alors effectivement il y a plein de manières d'aborder le sujet des éléments. Premier élément, c'est l'élément terre. C'est l'élément qui est lié à l'ancrage, à l'enracinement. C'est un élément qui est lié aussi à la sécurité. L'élément terre, quand on est bien relié à cet élément, quand on est bien connecté à cet élément qui est à l'extérieur de nous, mais qui existe aussi de manière subtile à l'intérieur de nous, on va se sentir en sécurité, on va se sentir porté, on va avoir l'impression qu'on manque de rien. Il peut y avoir une impression d'abondance, voilà. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi des amis, de l'entourage, etc. L'élément eau, il est beaucoup associé avec les émotions. Donc, quand on a, par exemple, des émotions négatives, quand on est en colère, et puis alors ça dépend, la colère, si on la laisse nous traverser, si on arrive à l'accueillir, c'est pas forcément un problème. Mais si on est en colère longtemps et puis qu'on n'accueille pas en fait ce sentiment et que ça reste à l'intérieur de nous, c'est un petit peu comme si notre eau à l'intérieur de nous elle était polluée. Ça serait comme une rivière par exemple où on aurait mis une pollution, on aurait mis un produit toxique et tout. Et donc là par exemple, bah voilà, si on va au bord du lac, au bord d'une rivière, dans un endroit qui nous inspire, et puis qu'on reste simplement connecté avec l'élément, bah ça peut être une méthode pour nettoyer en fait, nettoyer les émotions quand elles nous envahissent, quand elles sont trop importantes. L'élément air, ça pour moi c'est plus lié aux pensées, c'est un élément un peu plus subtil. Donc si on a un endroit, par exemple un col de montagne où il y a beaucoup de vent, on peut faire une douche avec l'élément air. Donc on se met face au vent comme ça et puis ça va nettoyer notre énergie de dos aussi, les deux sont possibles. Ou tout simplement, par exemple ici, on peut simplement respirer profondément, consciemment, mettre vraiment l'attention sur l'air qui rentre, l'air qui sort. Et puis ça peut aider pour clarifier l'esprit en fait, quand il y a trop de pensées, quand il y a des pensées répétitives, surtout qui commencent un peu à tourner en boucle, ça peut nous aider. L'élément feu, c'est lié donc au soleil, mais c'est lié aussi à la lumière de manière générale. Pour moi,
c'est assez lié à la joie, en fait, à l'énergie de la joie, l'énergie de l'émerveillement. Donc voilà, si on sent qu'on est un petit peu morose ou comme ça, bah, on peut essayer de se connecter avec cette énergie de la lumière. Donc bah là, il y a un petit peu de lumière qui voilà, ça, c'est cool. Ici, je suis déjà venu souvent, puis des fois, il y a des super beaux reflets dans la rivière. Donc regarder les reflets bah, sur l'eau, bah, voilà, ça nous connecte aussi avec la lumière, avec cet élément feu. Et puis, il y a encore l'élément espace qui est le plus subtil. Et ça, alors c'est plutôt quand il y a du ciel bleu, en fait, si on veut se connecter avec cet élément. Et ça peut être très intéressant, par exemple, quand on a des fois des soucis, quand on se sent très préoccupé par une situation, par un problème qui nous touche. Simplement d'aller, par exemple, 5 minutes ou juste 10 minutes dans un endroit voilà, dégagé, où on a une vue sur le ciel, et puis en fait, on ne fait rien, on met juste notre attention sur le ciel. Sur rien d'autre, et on pense à rien, on fait rien de spécial, et après bah, vous allez voir, vous allez être plus léger en fait. C'est l'élément espace qui est intéressant, bah, c'est que ça peut créer un peu une distance entre nous et puis ce qu'on vit. Ça peut amener justement de l'espace, et puis du coup, on est moins collé à la situation, si je peux dire. Et voilà, je pense que ça, c'est aussi un truc très chouette. C'est une situation qui nous enferme, qui nous bloque, bah, juste une connaissance. Juste 10 minutes, comme ça, voilà, de regarder le ciel, ça peut aider. Et bah là, maintenant, ce que je vous propose pendant voilà, 5-10 minutes, là, on a bah, différents éléments. On a la terre ici, on a l'eau là. Il y a aussi les arbres qui relient la terre et le ciel, qui relient les différentes énergies ensemble. Et puis, bah, que chacun bah, prenne un petit moment pour se relier, soit un arbre, soit la rivière. Quand je dis se relier, bah, c'est simplement être pleinement présent à l'endroit où on est, à l'énergie qu'on sent. Puis on peut utiliser les mains, on peut toucher par exemple les arbres, bah, on peut les toucher avec nos mains, les pierres la même chose, la terre la même chose, l'eau aussi. Si quelqu'un a envie de se mettre pieds nus, c'est possible. Et puis voilà quoi, chacun peut sentir un peu un endroit qui l'attire. Ben voilà,
c'était hyper sympa. Un petit tour à travers Lausanne qu'on ne connaît pas nécessairement. C'était plein de nature et puis c'était hyper sympa avec le groupe. Prendre à droite sur chemin de Chandieu. Bye.